Actrice dans le film Les Gazelles, diffusé le 18 juin 2023 sur TFX, Anne Brochet a connu l'amour dans les bras d'un célèbre acteur et humoriste français. Après leur rupture, il a été amoureux d'une princesse et a même eu un fils avec celle-ci. Papa de Noé, fruit de son amour avec Anne Brochet, né le 1er novembre 2000, et de Raphaël, né en décembre 2013 de son amour avec Charlotte Casiraghi, Gad Elmaleh avait évoqué les sentiments qu'il avait liés à la comédienne qui a reçu le prix Romy Schneider en 1991 face aux journalistes du Parisien en 2018. La dernière fois que j'ai joué au théâtre, c'était il y a une vingtaine d'années. Et j'y ai rencontré la maman de mon fils Noé. Si est-ce mon plus beau souvenir de théâtre, avait-il déclaré. En effet, si est-ce sur les planches que l'acteur du film La Vérité si je mens avait croisé pour la première fois Anne Brochet alors qu'il tournait Tout contre de Patrick Marbé en 1998. Elle jouait Alice et lui jouait Dan. À la suite de leur rupture en 2002, Gad Elmaleh a connu l'amour dans les bras de Charlotte Casiraghi, de 15 ans sa cadette. Fille de la princesse Caroline de Monaco et de Stefano Casiraghi, la jolie brune aux yeux clairs a fait entrer l'humoriste dans la famille royale monégasque. Ensemble, ils sont devenus parents de Raphaël, né en 2013. Invité au micro du podcast de France Culture, à voix nue, le 4 septembre 2022, Gad Elmaleh avait évoqué son rôle de papa à l'antenne. Un rôle parfois difficile et pour lequel il ne s'est pas toujours senti à la hauteur. Il a ainsi raconté ses absences parfois prolongées qui peuvent peser sur ses fils, en particulier le petit dernier. Parti à la conquête des États-Unis en 2016, il est finalement revenu dans l'Hexagone pour prendre soin de ses garçons. S'y est-il en 3 ans avec des allers-retours en avion. Avec le décalage horaire, le petit, il te voit, tu es un zombie, tu ne peux même pas jouer avec lui, tu t'endors pendant que tu lui parles, a-t-il révélé indiquant que le rêve américain ne valait finalement pas la chandelle, lui dont ses fils lui manquaient tant. Une des raisons pour laquelle je suis rentré des États-Unis si est que, le petit, je ne le voyais pas grandir, avait-il raconté. Désormais célibataire, il s'est séparé de Charlotte Casiraghi en 2015.